Salut, moi c'est Sarah Hiking, j'ai 20 ans. Comment je me suis retrouvée influenceuse rando trekking sur les réseaux? C'est parti que j'ai commencé à partager mes randos, mes treks, mes sorties outdoor sur TikTok. Et de là, ma vie s'est un peu chamboulée. J'ai eu mes premiers contrats avec des grosses marques telles que Decathlon France, telles que Columbia, avec des offices de tourisme. Et pour me consacrer à fond dans cette passion rando et pouvoir en mêler mon métier, j'ai décidé d'arrêter mes études sur l'île de la Réunion. Et j'ai pu avoir la chance de travailler avec des accompagnateurs en moyenne montagne. Et ce qui m'a permis de vraiment me révéler et me dire que j'avais vraiment envie de me consacrer à fond à la rando et au trek, la montagne en général. Puis je mêle rando, réseaux sociaux, mes deux passions en même temps. Tout simplement, je fais des vidéos que je partage sur mes réseaux, des vidéos que je vends aux marques. Puis les gens me contactent, je rencontre beaucoup de monde dans mon milieu, des gens incroyables au niveau professionnel. Puis je suis super contente, je suis épanouie, c'est vraiment une chose très très belle qui m'arrive. Je pensais pas, il y a 2 ans, que j'aurais pu en arriver là, parce que j'étais dans les études, j'ai fait 2 ans de psychologie et je me voyais, peut-être psychologue dans la criminologie, et je pensais pas que j'aurais une passion pour la montagne. Et aujourd'hui, j'ai un de mes premiers projets qui a abouti, c'est de pouvoir emmener ma communauté en trek et les initier à au bivouac, au trekking, vraiment ce qui me tient à cœur. Et ça fait des mois que j'ai travaillé sur ce projet avec un accompagnateur en moyenne montagne avec qui on s'est allié entre guillemets. Et voilà, donc là j'ai enchaîné mes 2 premiers séjours donc avec 6 personnes, plus 6 personnes. Donc au total j'ai réussi à emmener 12 personnes de ma communauté en trek. Je leur ai filé quelques pièces de matos et ils ont emmené aussi un petit peu. Et voilà, on a fait des boucles en montagne. On a fait 18 km avec 1400 mètres de dénivelé positif. Donc pour une petite initiation, c'était pas mal. J'ai rencontré des gens de tout âge, entre 20 et 35 ans. Même il y avait Patrick de 55 ans. Bon voilà, on a échangé énormément sur nos vies, sur nos passions communes. Et je suis très heureuse d'avoir pu leur partager ce côté montagne, ce côté passion. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir repartir seuls ou avec leurs amis en montagne. J'espère que je vais pouvoir de nouveau refaire des séjours de ce style. Pourquoi pas des séjours un peu plus poussés avec style bivouac hivernal ou dans d'autres pays étrangers. Et voilà, j'espère que ça sera une partie de mon futur travail aussi et je suis trop contente. Bon bah ça y est, on est revenu de 2 jours de trek avec les 6 participants et le vidéaste. On a fait 18 km avec 1400 mètres de dénivelé positif, il me semble. Tout le monde a kiffé, tout le monde est content, personne n'est blessé. Et voilà, ça s'est super bien passé. Je suis super contente d'avoir pu organiser ces 2 séjours. Et j'espère pouvoir le faire très prochainement. Et voilà. Et en tout cas, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur mes réseaux. Donc Sarah-Hiking sur TikTok et Instagram. Voilà!